Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light avec Katox. Salut Katox. Salut. Et alors du coup, on a dit qu'on allait voir les mecs, mais non, notre gars a décidé d'escalader la petite cabane à la place. Parfait. Ah oui, je me souviens de effectivement. See, Tolga, ah. Hold you to this crane. Are you sure? He looks weird. He always looks weird. Crane, we did it, we flew. But not with the jetpack. But we found a plane instead. Almost in good condition. Had to make a few adjustments to it. And the gasket broke. All the oil leaked out, the engine seized up. We had to jump out. But Mr. Dahl, our boss... Whoosh! He flew all the way to the west. You have to find him, Crane. Well, you two actually care about someone else. Oh, you wound us, Mr. Crane. Also, Mr. Dahl is a billionaire. He'll make us rich. All right. How am I supposed to find him? Simple. Mr. Dahl has a transmitter in his backpack. That's our insurance. You know, in case he tried to screw us over. Can't trust anyone, you know. Take that tracking device. The beeping will be faster the closer you are to the transmitter. And when you get back, we'll tune this tracking device so that you'll be able to find other things. Tolga, tell him. Everything that's chipped, Crane. And these days, a lot of things are chipped, aren't they? Go for it, Crane. You can do it! We believe in you! You have to say things like that to people like him, you know. Il faut dire des choses comme ça à des gars comme lui, tu sais. Ouais, mais... Il faut lui donner confiance. Bon bah, ça paraît intéressant, un truc de repérage, là. Il est ouf. Non mais il est en hauteur, il est en haut, en fait. Ah non mais arrête de grimper à cette putain de cabane! Tu veux pas juste rentrer dedans, quoi. Sérieux. Ah, il vole en l'air. Parfait. Bon bah... Du coup, voilà. C'est Katox qui est là, on va le suivre. Alors on va peut-être quand même prendre un petit peu de carburant, ça serait pas mal. Fumier, je sais pas, j'en étais sûr quoi. Pour te motiver à bouger, je sais qu'il te faut souvent l'impulsion. Aïe 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 aïe. Et tu vas où? C'est pas du tout par là. Mais il a dit plein ouest. D'accord, on va appeler moi ça. Bah, je sais pas, il a du plein ouest, non? Je sais pas, je faisais confiance au marqueur de quête, mais c'est vrai que c'était un petit peu posé de ma part. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je meurs? Quoi? Tu meurs? Pourquoi tu meurs? Ah, mais putain, mais tu t'es arrêté au milieu des. Mais t'es où? Mais ta voiture roule toute seule en rond. Qu'est-ce qui c'est que ce bordel? Normalement, je me suis stoppé pour regarder ma carte, mais bon. Bah ouais, mais non, mais tu t'es stoppé dans une mare de produits toxiques en fait. Ah, le sourcil peut, j'aurais pu me transformer en tortue ninja. C'est un peu ça le problème. Et du coup, je suis sorti pour me dire merde, qu'est-ce qu'il a tué et tout. Je reviens de partout, je vois ta bagnole qui retourne en rond, qui me rentre dedans. Mais t'étais même plus au volant quoi. Même ta voiture va me tuer. C'est un truc de fou. Bon, je vais peut-être venir te chercher, non? Ouais, t'as perdu paf. Alors, je suis navré quand ils disent il a volé plein ouest, on est plein nord par rapport à leur position. Moi, j'ai arrivé à l'endroit avec les deux gugus là. Ah, donc tu peux faire apparaître ta voiture? Je vais te chercher quand même. Vraiment, ça de toute façon, faut que je fasse demi-tour, on est d'accord, c'est pas du tout la route. Oh, un gros monsieur en armure. Bonjour, grand monsieur en armure. On se casse! Je peux faire réapparaître une voiture là-dedans. Là. Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs pour réapparaître. Ah, c'est ça. Je vois qu'elle est réapparue juste à côté. Bon, bah, go. C'est vrai qu'on est d'accord sur le plein ouest, c'est un peu foireux leur plein ouest. Le plein ouest, il est plein nord. Bim! Manger chaud! Manger 5 crédits par jour! Partout du coup, il y a des petits murets partout donc je suis coincé dans ce champ obligé d'écraser tout le monde. C'est dommage. C'est bien ce qu'il y a. Il y a un petit tremplin par là. Esquiveur.
Ouais, c'est ce qui m'avait semblé, j'ai cru voir vaguement un esquiveur rapidement. Il a tué du coup. Ouais. Est-ce qu'il est... Vas-y là, où il est, fumier. Bah, parfait, avant rien. Ah putain. Ça c'était un explosif ça. Ouais, vu la quantité d'herbe partout, je crois que c'est mort. Tant pis. Enfin, comme si c'était pas grave. Ah merde, c'est de l'eau ça. Non, putain. Il est cher foutu. Bah, l'eau c'est bon pour la santé. Je peux pas mettre de coude là. Allez là! Yes, and yes. But the crew were no outsiders, just a few unlucky people trying to get out of Haran. Did anyone survive? Are they dangerous? Yeah, two survivors, but no, they're just a pair of suicidal mad scientists. More dangerous to themselves than anyone else. Oh, j'ai plus de direction. Scientist, you say? The mother would like you to keep an eye on them, just in case. Des scientifiques, c'est pas des scientifiques en jeu. En géographie, hein, parce que. Ouais. Le Ouest n'est pas très. N'est pas très Ouest. Ah là là, mais allez vous faire foutre, bande de salopis. Hein. Attends, ils sont en train de me tuer au volant de ma voiture, c'est con. C'est insupportable. Au lieu de rentrer dans les armes, c'est mon pas de ma faute. Bah, tu fais nous naturellement, ça va, ils vont pas durer assez longtemps. Ah ouais, c'est la zone safe de l'enfer là, on peut pas passer avec la voiture. C'est bien réussi mine de rien les modifications de comportement de la voiture quand t'as des pièces vraiment mortes. Ouais. Putain c'est impressionnant. Ouais, j'avais pas vu aussi, il y a des trucs qui clignotent sur le tableau de bord. J'ai bientôt plus de carburant. Alors, il serait dans le coin. Tu peux grimper cette petite pente de voiture ou tu meurs avant. C'est fini. Elle a terminé. Elle a tout donné jusqu'au bout. Oh, des militaires en chapeau. Ah, en bref. Ouais, c'est un peu chiant, c'est qu'on sait pas si c'est toi ou si c'est moi qui chauffe en fait. Pourquoi tu utilises pas de kit de soins quand je te demande d'utiliser le kit de soins? Putain de bordel de merde. Cours, 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 cours. Ah mais il saute. Non, il crève instantanément. Très bien, parfait. Putain, ils sont solides ces foutus militaires. Hein. Les coureurs là, je sais pas d'où ils sortent, mais... Il m'empoisonne la gueule. Moi j'ai un bip bip bip, mais je sais même pas d'où ça vient. Bah moi je suis en train de nettoyer un truc de campement militaire. J'avoue que je fais pas grand chose pour la quête. Je vais pas dire le contraire. Bon, allez c'est parti, on fouille les jeeps. Voilà. On peut pas ouvrir ça. Damn. Headed in the wrong direction. Voilà, de temps en temps, hein, c'est bien de laisser un peu Katox travailler. C'est important. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir du coup notre première caisse magique là? Where are you, doll?
C'est marrant parce qu'en anglais il s'appelle Dal, le mec. Pas du tout. Ah, si je peux pas ouvrir ça. Ils ne sont pas tous morts. Scandale. On peut pas rentrer dans ce camion, c'est vrai, sérieux. Genre, c'est un camion militaire blindé, et on peut pas rentrer dedans. Bon, je trouve ça assez triste quand même. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah là, par contre, c'est ouvert. Ah oui, on peut ouvrir les caisses à cartes. Ça, c'est bon, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans, ça qui est pas. Bah écoute, je vais te le dire dans une seconde. Plan, pièce de traction militaire expérimentale. Fusil à pompe semi-automatique. C'est bon ça. Ça te dit un petit fusil à pompe semi-automatique ou pas? Ça a l'air intéressant. Ah. T'auras peut-être autre chose. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Parfait, moi j'ouvre les caisses, hein, tu m'en veux pas. Des kits de soins. Des fusées, on s'en fout un peu, faut dire ce qui est. Ah oui, j'entends des bips moi aussi maintenant, c'est marrant. Je suis pas du tout là où t'es. Oh, mais les bips quand t'as trouvé, ça fait vraiment bip 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 bip. Ouais, là j'entends juste les bips, bips, bips. Putain, mais t'es hyper loin! Sérieux? T'es à 200 mètres quoi! Quel enfer! Bon, on va aller à pied. T'es en train de tuer des zombies vu comment tu roules pas droit. Bah, je t'attends. Je tue comme je peux. J'arrive, j'arrive. Mais par contre, je suis à pied, je préviens. Ah ouais, y'a carrément du monde, ouais. Je suis surpris en fait qu'il y ait autant de monde alors que tu viens de nettoyer la zone, quoi. Ah mais ça repop ici à une vitesse. On a trouvé son sac à dos. See, Tolga, Dolby Reeves going to fly. Pay up. Wait, Crane, is Mr. Dahl alright? It's hard to say. I don't know if he's dead, guys. I just found his backpack. No sign of the man himself. Any ideas? Voilà. J'ai réussi à choper ta voiture au passage. Transmetteur dans sa chaussure, t'es sérieux? Bon, écoute, je suis sur le toit, hein, je te fais confiance. Je vais regarder un peu ce que fait mon fusil à pompe semi-automatique. 751 ça, 1000 ouais, non, il est moins bien. Je crois te le donner éventuellement si tu veux. Je pense que si tu l'améliores avec un plan, il devrait être plus possible. Tu m'avais dit que t'avais pas de fusil à pompe. Non. Oh, il est
bien être caché dans la zone safe. C'est la meilleure, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ce serait plutôt pertinent. Fais gaffe, il y a un explosif qui arrive. Ça va venir qu'il est quand même pas dans la safe. Quoi. Bah, en même temps, personnellement, je tomberai en parachute ou dans un champ de zombies, je rusherai la zone safe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé? Pourquoi je suis mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de faire des plans tranquille et je meurs quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Je trouve que t'es passé. Rien. T'es passé quelque part, tu m'as décapité ou un truc du style. Ah, du coup, j'apparais dans la zone safe et effectivement ça bip fort. Alors on peut pas parler à Jazir parce qu'il nous faut Katox. Alors, où est-ce qu'il est ce con? Bah Katox. Volcan. Dal. Machin. Machin. Chose. Ah, ça se rapproche. Il serait là. Mais bon, j'ai trouvé. Enfin, c'est pas lui, mais j'ai trouvé quand même. The hell, you're not Vulcan Dahl? Was I supposed to be? Where did you get those boots? Hey, he didn't need them anymore. Lay off. Did you kill him? Where is he? Hey, he turned. I killed a monster, not a human. Shit. Where? Shot him straight through the head. No, you idiot. Where is his body? Oh, not far from here. Listen, I can pay you for these boots, if they're so important to you. No. Super. Va falloir qu'on cherche un cadavre de zombie. Guys, I found Dahl. Bettine, Tolga, you there? Where'd you go? God damn it. Bon, bah on rend le sabre en passant. Ah, qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? Scream louder, Fatine. Maybe they'll figure out where. Attends, ils sont bloqués dans le train sur le pont, vous êtes sérieux? Tell them we have portable photon throwers. A photon thrower, that's just a flashlight, Tolga. As if they know what photons are. Bastards! Tolga, cover me! With what? A stick? Get away from that door! Oh, putain. Ils sont pas sortables, quoi. I got a present for you, Jazir. I can't believe it. You really found it. You know, it took some doing. Hey, listen, if this thing is so important to you, how come you let Adam get his hands on it? That's a long story, and one that I'm not really proud of. Il joue au poker. Let's just say that I got careless one day, but... Ça sent le truc du genre, ouais. Thank you. Oh, come on, don't leave me hanging like that, Jazir. What happened? I would rather not talk about it. Il était beau. Can't be that bad. What was it, like a dare or something? Oh, t'es un peu lourd, Crane, là. Involved? A woman. And a chicken. Chicken? This was 5 years ago. Ezgi's mother had been gone for 18 months. And I was getting lonely. And there was a widow here in town. She liked chickens. Wait, what, like fried? No, she kept them as pets. And Adam had this spectacular rooster and a weakness for cards. Wait, Jazir, are you saying you lost your grandfather's sword in a card game over a chicken? You might remember, boy, that I said I wasn't proud of this. Well, what happened to the widow? What do you think happened? Adam had the rooster and won my grandfather. Oh, les histoires à la con. Bon. Moralité, ne jamais parier un sabre contre un poulet. C'est ça. C'est noté. Moralité, lol. Allez, on vend les objets qui nous servent à rien. Alors du coup, rôdeur on le garde. Par contre, 6 coups et feu rapide. Ah, quoique, je pourrais les foutre dans le stock. Hein. De temps en temps. Est-ce que tu le veux, du coup, le fusil à pompe? Oui, je veux bien. Take a look at my goods. Je te le pose. Hop. Il est où? Putain, je suis dessus. Hop là. Alors. Du coup, ça on garde. Ça on peut virer.
Ça, on va aller le stocker, les fusées, franchement. Ça sert à rien. La machette féroce, on va la garder, mais du coup, je peux me débarrasser d'un truc peut-être. Bon, ça, on va s'en débarrasser. Et on va transformer la machette en autre chose plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien ? L'épée angélique. C'est pas mal ça. Gros méchant. Ouais. On va prendre ça. C'est très bien ça. Voilà, 1342 dégâts, c'est propre. Il y a du bon. On fout un roi. Un autre roi peut-être. Et un autre roi. Voilà, de toute façon je le fais jamais, donc tant qu'à faire. Autant améliorer ça bien. Voilà, 2000 de dégâts la machette. On commence à causer là. Ça commence à le faire. Alors, on va aller... planque du joueur. Ah mais j'ai des trucs dedans en fait. Des fusées, très bien. Ah mais j'avais un 1155. J'avais un fusil à pompe mieux en fait dedans. Ça on peut virer. J'avais de la dynamite, je sais pas ce que je fais avec ça. Ça on peut, ouais, on va le garder. Mitraillette. Ah ouais, la mitraillette bizarre là, mitraillette anti-gadoïde. Bah c'était pas les deux de Loustic qui nous l'avaient filé déjà ce truc là? Si, le truc qui sert à rien. Ouais, le truc avec zéro de dégâts et tout. Du coup ça on met, ça on met. Alors du coup qu'est-ce qu'on a? Ça au final... c'est mieux que ce que j'ai. C'est un fusil de chasse aussi. C'est chiant qu'il n'y ait pas le type des armes... peut-être mis dans le 2. Ouais. Qui sait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est un fusil à pompe, mais vraiment avec deux munitions quoi. Ouais, non, du coup, pof. Vu la différence de dégâts, ça vaut pas le coup. On va le reposer. Ça rend le fusil à canoncier de base. Donc ça, on repose. Alors là, ah oui, j'ai une citrouille ivre. Ça sert à quoi ce truc? Équipement, il m'a équipé ça en plus. Mais qu'est-ce que tu fais, jeu? Les fusées, on va virer, ça on vire. Ok, c'est parti. Faut que tu fasses réapparaître ta voiture. Ouais. Je sais, j'arrive, ça on vire. Donc ça on garde, ça on garde. Pff, ouais, non, allez, on vire, on aura l'occasion d'en refaire. C'est parti. La voiture. Et donc on cherche toujours machin là. Bah, machin et truc. Ah ouais, d'accord, machin et truc. Je profite de la pause pour remettre un petit peu de munitions dans les chargeurs parce que. Ah putain, oui, c'est vrai, j'avais mes plaquettes qui étaient mortes là. On peut les réparer. Hop. Ah oui, je répare, bien sûr. Du coup, j'ai une citrouille d'Halloween comme objet. Je sais absolument pas ce que ça fait. C'est une citrouille, mais. De mettre des armes en quinconce. Oula, ça c'était des grosses éclats sur le sang. Il y avait un survivant. C'est pour ça qu'il y avait autant de sang alors. Je me suis dit tiens marrant, je vois ah putain comment il m'a défoncé. Je vois ta flèche derrière un... derrière un petit bus, je vais passer voir. Bon. T'es décédé?
Ouais, je suis resté coincé en fait entre le bord de la route et le destructeur et du coup il m'a défoncé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Du coup je suis réapparu dans un vieux affût de chasse à l'autre bout du monde comme d'hab. On va devoir courir un peu. Bon bah du coup je vais refaire quelques trucs de soins. Voilà. Et puis aussi quelques crochets. Voilà, 5 c'est bien. Alors du coup, on va où? On est là, la voiture est là. Ouais, la voiture est le plus proche, hein, clairement. On saute comme un gros sac et on court. Alors la voiture est plus proche, mais c'est toujours coincé avec le destructeur. Ça va peut-être pas être la même. Non, il est plus avec le destructeur. T'as buté le destructeur ou t'as buté la voiture? La voiture est plus loin. Elle est sur le pont, faut que je rampe sur le pont. Bon, je sais absolument pas à quoi sert le truc d'Halloween. Si jamais le destructeur est toujours là, je vais essayer de lui jeter dessus, on verra. J'ai réussi à le buter du coup. Ou pas le destructeur? Ouais. Non. Quoi, il était là où. Putain, là, il y a le dans la web. Ah, mais sérieux? J'aime ta manière de me laisser dans la merde. Genre, j'ai éliminé la moitié des zombies sur ce pont. Non, je t'ai vu, tu t'es barré en me laissant tous les zombies qui couraient sur la tronche. Je fais que l'aller-retour pour tuer. Ah, caillou. Stop, stop, stop. Mais t'es qui toi? Sérieux? Ah mais en fait c'est pas du tout des zombies, c'est des soldats là. Enfin des méchants. Tu sais qui me tire dessus? Désolé, je suis à terre. Il y a un truc qui nous crache dessus mais... Ah mais ouais mais non mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ça explose de partout? Ah il y a un fumier là-haut. Tiens. Ils ont des grenades les mecs quoi, sérieux. C'est improbable. Oh, bah je confirme les grenades. Ah ouais ouais non mais j'ai vu les trucs rouges passer là. Attends je te relève. Je vais prendre une arme qui tire bien de loin. Fire in the hole. Oh la vache. Tu peux venir me relever. Putain ils m'ont envoyé tout en bas du pont quoi. Bah moi je suis sur le pont mais avec une grenade juste devant moi là. Bah attends j'essaie de remonter du coup. Ah t'es là, ok. C'est la quatrième grenade que je prends aujourd'hui, ça commence à faire long. Ouais ils sont un peu brutaux les mecs hein, je suis assez d'accord. Niveau bonjour on vous aime bien. Oulala comment je leur ai fait péter leur grenade à la tronche. Bon par contre on dirait qu'il va falloir un peu plus lourd que l'arbalète là. Putain grenade, grenade. En tout cas c'est sympa hein, ils avancent, ils balancent de la grenade, ils reculent un petit peu. Fumier, fumier, fumier. J'avais un couvert là. Il en reste un caché là. Ah, il est juste là. Putain, il est trop plein. Ah, mais ils ont des gilets pare-balles, c'est con. Mais c'est quoi ce pont là? Comment ça se fait qu'on est jamais tombé dessus avant? Sérieux? Je crois qu'on est tombé dessus, mais on a jamais passé. Putain. Il y a encore un connard qui balance des grenades, attention. Oh! Je t'avais prévenu. Ouais, mais je pensais l'avoir tué. Alright, it's clear, you can come out. Now we're in one of these carriages, don't shoot!
knock 3 times and we'll let you in. Holka, are you crazy? Oh putain, les relous quoi. T'es sérieux? Quand même pas utiliser des munitions, on peut taper comme ça, rassure-moi. On peut taper comme ça, mais il faut trouver le bon. Parfait. Ah mais on peut pas taper sur tous. Quelques-uns sur lesquels on peut taper, j'ai l'impression que c'est toujours du même côté. Bah non, tout à l'heure j'ai pu taper de l'autre côté et là je peux plus. Ah bah ils sont là. Oh! C'est quoi le petit machin là? Endroit inexploré. D'accord. Ils sont ici mais il y en a un qui bug beaucoup. Ah alors attends, j'arrive. Chez moi c'est fermé donc... That's not the proper knock. Go away. It's me, fuckers. Let him in, Patin. It's him. Le truc, c'est moi, Crane. En anglais, c'est It's me, fuckers. Oh putain. J'ai pris une capture d'écran. Je te montrerai la super position qu'ils avaient. The hell are you guys doing in here? A secret project. Don't talk about it, Patin. You know people like him just repeat everything they hear? But he might be useful later. Then we'll tell him when he becomes useful. Maybe we should let him stay here. Proximity to us can only raise his intelligence. Now, your generosity is overwhelming, but I believe you promised me something earlier. You're underestimating us, Crane. We did it remotely, just a moment ago. Now this device will react to anything that's cheap. And when something's cheap... Then usually it's pretty valuable. Unless it's your neighbor's dog. Now let's get down to business, Tolga. Time to start the project. J'aime pas trop le plan derrière là. ça sent les mecs qui vont faire un truc explosif tout... Un train à la retour vers le futur. Ah mais non, mais par contre si on est obligé de se taper les bips dès qu'on s'approche d'un truc... Ça va être assez insupportable. Bah c'est parce qu'il est juste là. C'est un peu le truc pour prouver que... Bah c'est ça ouais, c'est pour te dire où c'est. Mais bon, c'est quand même un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, ouvre! Montre un peu tes muscles là. Un fusil chasse. Plan suspension militaire expérimental. 1000 de base, le fusil de chasse, pas mal. Ouais, mais je crois qu'avec ça, avec ça, je pense que je peux faire un fusil à canoncier. Ah ouais. Ah non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut pas faire des chines rouillées, faut un fusil semi-automatique. Dommage. Alors du coup, on va garder notre échine rouillée et on va arrêter l'épisode là par contre, avant que tu te partes en vadrouille de nuit. J'espère que cet épisode vous a plu et du coup, bah, on se dit à très vite pour la suite. Merci à tous et à tous. Salut.